Éternel mon Dieu, des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Selon Psaume 140 au verset 6. Ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Selon Psaume 35 au verset 7. Ils ont tendu un filet sous mes pas. Ils ont creusé une fosse devant moi. Qu'ils y tombent. Selon Psaume 57 au verset 7. Il me pousse pour me faire tomber. Secours-moi. Selon Psaume 118 au verset 13. Éternel mon Dieu, fais-moi sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Selon Psaume 31 au verset 5. Fais sortir mes pieds du filet. Selon Psaume 25 au verset 15. Délivre-moi du filet de l'oiseleur. Selon Psaume 91 au verset 3. Que le filet se rompe et que je m'échappe. Selon Psaume 124 au verset 7. Éternel mon Dieu, place mes ennemis sur des voies glissantes et fais-les tomber. Selon Psaume 73 au verset 18. Que leur dessein amène leur chute. Selon Psaume 5 au verset 11. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de l'allégresse en toi. De l'allégresse en ton salut. Tous mes os diront,
qui peut comme toi délivrer le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Selon Psaume 35, du verset 8 au verset 10. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. C'était la sœur Marcelle Vagba.